comme ça, partie remise. J'ai pas fait l'Everest, mais j'ai fait un 7000 avec un seul piolet. Ça voulait pas, cette fois-ci. Bon, le substitut du fait d'être en course, c'était de rentrer et d'y arriver, parce que c'était pas simple. Puis à un moment, il faut savoir rentrer à la maison. Malheureusement, de ne pas avoir fait le tour du monde, mais d'avoir pu passer la ligne d'arrivée fictive hier soir. Pour moi, c'était ma manière de boucler ce Vendée Globe cette année. C'est extra de voir combien d'enfants on peut sauver et la manière dont tout le monde se sent concerné pour nous suivre. On voit bien que ça fait plaisir aux gens aussi. Ça valait le coup de vivre des moments difficiles depuis l'abandon. C'est pas juste un projet de course au large, c'est pas juste de la voile et du bateau. C'est un projet solidaire avec une action positive. Merci. Bah, merci d'être là. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. Le ponton va presque toucher l'eau là d'ailleurs. Et bravo pour votre suivi avec tous les clics, parce que c'est important et Ardacha, elle a compris que c'était important et c'est pour ça qu'elle est là aujourd'hui, donc c'est super. C'est une histoire qui se termine un peu plus vite que prévu, mais qui se termine bien quand même. Hein.